Ça, c'était le journal du mouvement de la tripartition de l'organisme social, la première année de 1919 à 1920. Ça, c'est quand même un document précieux, hein, d'avoir. Oui, qui va tomber aux miettes bientôt. Ouais. Parce que on aime aujourd'hui avoir des définitions, et c'est bien de comprendre la triarticulation en deux phrases, disons. Hein? Qu'est-ce que c'est la triarticulation? Expliquez-moi en trois mots. Mais on ne peut pas, justement. Et pour Steiner, l'important, c'était, mais c'est pour toutes les questions spirituelles, que finalement, la pensée doit rester vivante et pouvoir accéder à un sujet, toujours de manière différente aussi. Et pour trouver aussi une sorte de, que la pensée même fait un mouvement et reste en transformation tout le temps. Hein? Et c'est pour Rudolf Steiner, c'était la base aussi, ce qu'il appelle la pensée vivante, finalement, que cette pensée n'est pas prisonnière des concepts, des conceptions qui restent rigides, figées et mortes en même temps. Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Qu'est-ce qui est à l'origine de tout et qui se transforme en tout? Qu'est-ce qui est le but ultime? Qu'est-ce qui est la vérité profonde d'où tout part et où tout revient? Qui n'a ni forme ni visage et cependant est partout. Est-ce Dieu, le Tao ou l'argent? La question de l'argent est posée. La première confusion générale, c'est l'argent a de la valeur. Ça, c'est la première confusion, extrêmement répandue. Ford disait, l'argent en lui-même n'a aucune valeur, parce que par lui-même, il ne peut rien produire. De l'argent, je peux en avoir des valises entières, des sacs à dos, des tout ce qu'on voudra, s'il n'y a pas autour de moi ce qui me permet de faire quelque chose avec cet argent, d'acheter, hein, s'il n'y a pas ça, eh ben, c'est rien. Absolument rien. Autrement dit, se dire déjà, au fond, l'argent par lui-même, il n'a pas de valeur. C'est déjà un pas assez important. L'argent n'est pas une chose. Et le problème, c'est que on a toujours le sentiment que c'est une chose, et à chaque fois, on se trompe. L'argent est une sorte d'entre-deux. L'argent est quelque chose qui se passe, qui apparaît entre deux personnes. Et ça reste toujours entre ces deux personnes. Combien de gens aujourd'hui ont une représentation complètement abstraite, confuse de la vie, de leur propre vie? Si par exemple, ils se posent la question « Comment est-ce que je vis ?» La plupart du temps, ils ne se la posent pas, mais admettons qu'ils le fassent. Ils se disent alors « Eh bien, je vis de mon argent. » Parmi ceux qui donnent cette réponse, il s'en trouve beaucoup qui ont, par exemple, hériter cet argent de leurs parents et qui croient à présent vivre de cet héritage de leur père. Mais, mes chers amis, on ne peut pas vivre d'argent. L'argent n'est pas quelque chose dont on puisse vivre. C'est là qu'il faut commencer à réfléchir. Et cette question est intimement liée au véritable intérêt que l'on se porte d'être humain à être humain. Quiconque croit vivre de l'argent dont il a hérité ou qu'il a reçu de n'importe quelle autre manière, hormis en travaillant, comme c'est aujourd'hui normalement le cas,
Quiconque vit avec cet état d'esprit ne possède aucun intérêt pour ses semblables. Pour cette raison que personne ne peut vivre d'argent. L'être humain doit manger, et ce qu'il mange doit être obtenu par le travail d'autres hommes. Il lui faut s'habiller, et ses vêtements, d'autres doivent les fournir par leur travail. Pour que je puisse enfiler une veste ou un pantalon, des hommes doivent employer leur force de travail pendant des heures afin de les réaliser. Ils travaillent pour moi. C'est de cela que je vis, pas de mon argent. Mon argent n'a d'autre valeur que de me donner le pouvoir de me servir du travail d'autrui. Avant, il n'y avait pas de monnaie, il y avait le troc. Et ensuite est venu l'or, pour simplifier, hein, il y a eu d'autres choses aussi, mais simplifions et prenons une marchandise privilégiée parmi toutes les marchandises, ça a été l'or. Si on prend l'or, l'or est extrêmement pur, extrêmement malléable, c'est très difficile d'attaquer l'or. Il a des propriétés qui font qu'il est tout d'abord utilisé pour le culte. Tout d'abord, il est hors de question d'utiliser l'or pour autre chose que pour un usage religieux. Après, il sort du monde religieux. Et il y a un moment qui est intéressant, c'est l'apparition des pièces de monnaie. Autrefois, on avait des pièces dans sa poche. Et sur les pièces, il y avait la tête du roi. Dans toutes les civilisations où il y avait des pièces, c'est comme ça. Hein, sur les billets, ensuite, il y a eu vaguement. Bon. Mais on voit bien comment on passe du métal au papier. Et le pas suivant, qu'est-ce que c'est? C'est la dématérialisation. On passe à des signes qui se promènent avec la vitesse de la lumière à peu près, autour du globe, et c'est le cas actuellement. Autrement dit, la dématérialisation continue, et en fait, pour moi, on a vraisemblablement affaire avec l'argent à quelque chose qui est de nature spirituelle, parce que sinon, ce cheminement ne serait pas possible. De nature spirituelle, ça ne veut pas dire positif ou négatif, mais de nature spirituelle. Dans le temps, l'argent a révélé son essence. L'argent est un concept, est une idée. C'est l'essence de l'argent. C'est un concept, c'est une idée. Jusqu'à présent, j'ai absolument dit, je n'ai rien dit de négatif sur l'argent. On verra après quels sont les problèmes. Mais pour le moment, on peut dire que c'est une invention géniale. Dans l'évolution, on est arrivé à un stade de l'évolution où chacun se sent comme un individu, et puis comme individu, comme personne libre qui peut se sentir responsable, il a besoin d'un moyen de pouvoir devenir actif. Puis je vois dans l'argent ce moyen qui s'est créé autour de lui, qui s'est créé dans la relation avec les autres, pour pouvoir devenir actif dans le monde. Alors aujourd'hui, sans l'argent, on ne fait rien. Mais donc l'argent, c'est quelque chose qui est comme le véhicule de réalisation, la possibilité de s'engager, la possibilité de devenir actif sur la base de sa créativité, de donner à la créativité un levier pour entrer dans la vie social, se rencontrer les autres, être en lien avec les autres. Bien sûr, ça se complique quand on va au-delà de la simple origine. C'est-à-dire que ça s'établit d'une manière collective, générale, et l'argent est un grand système. Mais au départ, ce qui fait naître l'argent, c'est des relations entre des personnes. Et ça reste des relations entre ces personnes. De quoi s'agit-il ? Il s'agit que des personnes se font l'une à l'autre des promesses. Il s'agit du fait que, lors d'un échange, il n'est pas toujours possible de compenser, d'équilibrer un échange par un autre échange, c'est-à-dire de faire un troc. Donc, il y a un temps qui va s'établir entre le moment où
on a fait une partie de l'échange et le moment où la contrepartie de cet échange va est offerte. Donc il va y avoir une ouverture dans le temps entre le premier geste qui va d'une personne vers l'autre et le deuxième geste qui va de cette personne vers la première. Et ça, c'est décalage, cette ouverture, cette faille dans le principe de l'échange, ce qu'on avait appelé le troc à certains moments, mais c'est plus large que le troc, parce que ça peut être des services, ça peut être des choses promises. Cette ouverture fait apparaître chez celui qui offre un service, comme celui qui reçoit ce service, fait apparaître un engagement, une promesse de retour. Et cette promesse de retour, c'est la base, c'est le fondement de l'argent, de la monnaie. Si j'ai de l'argent, je vais pouvoir acheter une marchandise. On va dire ça, c'est une première partie de l'échange. La deuxième partie, c'est qu'avec cet argent, je vais pouvoir en acheter une autre. Mais je ne suis pas obligé, ce que l'argent me permet, c'est que je ne suis pas obligé d'échanger directement des chaussures contre des carottes. Je peux vendre mes carottes et aller acheter des chaussures dans 2 mois, dans 3 mois, plus tard. Donc il y a une sorte de découplage. L'argent, on va dire, favorise les échanges. Parfois on dit que c'est un moyen d'échange. Je dirais que ce n'est pas vraiment un moyen d'échange. C'est quelque chose qui facilite l'échange, mais le moyen d'échange, ça va être ma carotte ou ça va être ma marchandise. C'est ça que je vais échanger. Mais ce n'est pas quelque chose que j'échange vraiment, c'est simplement un intermédiaire. Deuxièmement, c'est une unité de valeur. Et ça, c'est lié à cette possibilité d'abstraire. Alors, Aristote se pose la question, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut comparer des chaussures à des fruits et des légumes? C'est absolument impossible. Dans l'essence de la chose, ce n'est pas possible. La chose qui fait que c'est possible d'arriver à un échange, c'est que l'homme a des besoins et qu'il veut satisfaire ses besoins. Et dans la satisfaction des besoins, alors, il va trouver avec l'autre une valeur commune et ils vont se mettre d'accord pour un échange. Mais c'est ça le niveau où l'échange est possible. Parce qu'au niveau de la comparaison, il n'y a pas de comparaison possible. Et l'argent, justement, qui permet cette abstraction, va permettre l'échange. Mais, il y a un immense mais, un extraordinaire mais, c'est que la monnaie n'est pas que la somme de petits billets qui seraient des tas de petits billets entre différentes personnes. Il y a en fait une étonnante intégration de tous ces échanges en un seul chiffre. C'est-à-dire que on passe d'une multitude d'échanges, je dois 100 à lui, lui me doit 10, je dois 30 à l'autre, lui, un autre me dit, il me doit 40, etc. Tout ça, on fait la somme algébrique des dettes et des créances. Et il ne reste plus qu'un seul nombre, ce que j'ai dans ma poche, comme créance pour m'acheter tout ce que je veux. Là, il s'est passé quelque chose qui est un formidable oubli. Il ne reste plus que la somme de mes dettes et de mes créances, et mon compte est positif ou il est négatif. Et donc, il s'est produit un oubli formidable, qui est très utile, parce que s'il fallait se souvenir de tout, on ne pourrait pas. Mais cet oubli est, alors ça c'est très très étonnant, cet oubli va permettre à des forces du mal s'introduire à l'intérieur du système. Il se produit un oubli. Et l'argent qu'on a devient une chose. Les forces du mal peuvent entrer là-dedans. C'est ça qui est extraordinaire.
Si on prend sa voiture, par exemple, si on arrivait à calculer combien de personnes sont intervenues pour la fabrication de cette voiture, on pourrait s'apercevoir que plusieurs milliers de personnes différentes ont travaillé sur un objet qu'on utilise. Donc ça, c'est... Et pourquoi ça, c'est possible? C'est possible parce qu'on a inventé l'argent qui permet cette répartition et qui permet que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire, si j'ai travaillé pour l'autre, qui c'est qui va reconnaître que j'ai travaillé pour l'autre? On ne va pas tenir une comptabilité à 8, t'as fait tant d'heures, donc tu auras droit à ça, etc. Et au bout d'un moment, cette comptabilité qui serait impossible, qui serait trop lourde, elle est remplacée par un signe un peu universel qui permet à chacun de dire l'argent que j'ai en main, c'est le signe qui théoriquement atteste que j'ai fait quelque chose pour les autres. Donc les autres vont me donner un peu de ce qu'ils ont fait. Ça, c'est vraiment le principe de l'argent. Alors, ce système-là a donné une gigantesque liberté à l'individu, puisque si on compare à la personne qui était dans son petit village, qui avait ses quelques arpents de terre, son destin, c'était de travailler 15 heures par jour dans ses champs pour tirer un peu de nourriture, pour se nourrir et pour subvenir à ses besoins fondamentaux. L'homme moderne, il a à disposition une liberté d'abord de consommation, c'est-à-dire il peut dire aujourd'hui je vais manger du porc, demain je vais manger du poisson, et puis après-demain je vais manger des céréales par exemple, sous telle forme ou sous telle autre, venant de tel pays, venant, etc. Si on rentre dans un supermarché actuellement, supermarché moyen doit avoir à peu près 50 000 références différentes. Donc ça veut dire 50 000 objets qui chacun a une histoire, vient d'un pays du monde. Donc on est dans une partie de l'histoire de l'humanité complètement ahurissante, où effectivement chacun bénéficie du travail de presque chaque membre de l'humanité, a fait un petit peu quelque chose pour lui, et lui-même en retour va faire un petit peu quelque chose. Alors ça donne effectivement une gigantesque liberté, parce qu'avec cette compensation du travail qu'est l'argent, on peut décider de manger moins et puis peut-être de regarder plus de films ou de faire plein de choses finalement. On dit avec l'argent on peut tout faire, bon, certainement pas tout, mais en tout cas ça donne une gigantesque liberté, avec la contrepartie effectivement que du coup ça devient très facile entre guillemets de tricher avec ce symbole, parce que comme il est un peu un sésame, avec ce symbole, on s'achète, qui est un signe de travail, mais est-ce que l'homme va s'ingénier à avoir ce signe alors qu'il n'a pas travaillé, par exemple? Ça peut être une façon, en volant ou en créant des relations inégales qui font que il va accaparer ces signes, il va accaparer ces signes alors qu'il n'a pas réellement fourni le travail qui est symbolisé par ce signe. L'argent équivaut aujourd'hui à de la marchandise et à de la force de travail. Il est une indication sur quelque chose qui se produit. Si l'on passe de la pure abstraction à la réalité, si l'on songe, lorsque l'on paye quelqu'un avec 10 billets de 100 marques, qu'avec ces 10 billets, on fait passer de la main à la main l'équivalent du travail d'un certain nombre de personnes, que ces billets renferment le pouvoir d'obliger tel nombre de gens à travailler. Alors on est déjà en plein cœur de la vie, avec toutes ses ramifications et toutes ses impulsions. Alors on ne s'arrêtera plus à la pure abstraction, à l'abstraction machinale que représente un paiement en argent. On se demandera au contraire, qu'est-ce que cela veut dire quand je fais passer d'une main à une autre 10 billets de 100 marques, lesquels supposent que tant d'êtres humains, ayant une tête, un cœur et une raison, sont contraints de travailler. Que signifie cet acte? En fin de compte, seule une considération spirituelle de la chose répond à une telle question. Prenons un cas extrême. Supposons que quelqu'un, sans se donner lui-même aucun mal pour l'humanité, ait de l'argent. Ce cas existe sans doute et je veux m'y arrêter. Donc, quelqu'un a de l'argent, sans se donner aucun mal pour l'humanité. Pour cet argent, il achète quelque chose.
Il est même en mesure de se construire une vie tout à fait agréable parce qu'il possède cet argent, lequel renvoie à une certaine force de travail humaine. Bien. Certes, cet individu n'est pas pour autant mauvais. Il peut être quelqu'un de très bon et même de très zélé, car souvent on n'a pas le discernement de la structure sociale. On ne s'intéresse pas à ses semblables, c'est-à-dire à la véritable structure sociale. On pense déjà aimer les gens en s'achetant quoi que ce soit pour l'argent dont on a hérité, ou bien même en l'offrant. Mais lorsqu'on l'offre, on ne fait rien d'autre que de faire travailler un certain nombre de gens pour celui auquel on offre l'argent. Parce qu'il renvoie au travail, l'argent n'est qu'un instrument de pouvoir. On entre dans une sorte de mal très grave, mais banal. C'est-à-dire que c'est absolument normal de considérer l'argent comme une chose, d'oublier sa source profonde, d'oublier les conséquences de chacun de nos gestes d'argent sur les autres, parce qu'on ne voit plus que l'argent lui-même. Et là, on est dans vraiment le cœur du problème, de ce qui est à reconstituer, c'est-à-dire revenir à la conscience de ce que chacun de mes gestes d'argent fait sur la réalité des êtres humains et leur vie. Si la monnaie devient marchandise, si on peut par exemple aller sur le marché monétaire et acheter et vendre des devises, on commence à vendre quelque chose qui ne correspond pas à un acte économique, parce que l'acte économique, ce n'est pas la monnaie elle-même, c'est la production de valeur. C'est au moment où on crée des valeurs, par exemple lorsqu'on transforme de la matière première pour en faire un objet que l'on va ensuite amener dans un magasin. Donc il y a les premiers axes, c'est l'extraction de la matière première, ensuite la transformation, et à la fin l'emballage, le transport et la mise à disposition dans un magasin. Là, on est dans des actes d'économie qu'on appelle au fond l'économie réelle. Et à chacun des stades, il y a un ajout de valeur entre celui qui a fait l'extraction minière et celui qui va fondre, par exemple, si c'est un métal, qui va fondre le métal, et le troisième qui va modeler ce métal pour avoir la pièce que l'on veut, si c'est par exemple un boulon, un écrou, je ne sais, et puis la mise dans un carton qui contient, mettons, 100 boulons, comme ça, et puis, voilà, toutes ces étapes, c'est à chaque fois on ajoute une valeur. Et si on ajoute une valeur, alors à ce moment-là, on a une chaîne de production et de distribution dans l'économie, avec à la fin l'acheteur final qui va acheter ou non le produit si ça correspond à son besoin. La monnaie, elle ne fait rien de tout ça. La monnaie, au fond, son rôle, ce serait de simplement être le témoin de tous ces de toute cette circulation et de tous ces échanges. Elle ne fait que témoigner en in fine, à la fin, de comment s'est passé l'échange. La fonction de mesure de la valeur, celle-là, aujourd'hui, par l'inflation, elle est imparfaite. Puisque si je dis aujourd'hui un kilo de carottes, c'est 1 euro, ben, dans un an, c'est plus la même valeur. Même dans quelques mois, ça a changé. Alors ça, c'est un gros problème. Parce que c'est une unité de valeur, de mesure, qui change dans le temps. Prenez un exemple. Supposons que le mètre change tous les jours. Vous faites venir un ouvrier, il mesure la taille pour les fenêtres. OK ? Et il vient 3 jours après, ou une semaine après, il dit « Bon, bah, écoutez, entre-temps, le maître a changé, donc moi, je vous ai apporté avec les mesures que j'avais à ce moment-là.
la fenêtre ne passe plus. Donc dans le monde physique, vous vous rendez bien compte, ça ne va pas. Il faut que cette échelle, que cette unité de mesure reste constante dans le temps. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le chaos garanti. Par exemple, si quelqu'un achète un... Non, si quelqu'un, oui, va prendre, par exemple, des euros, et il pense que l'euro va dévaluer dans les jours qui viennent. Alors il va acheter des livres sterling. Et supposons qu'il y ait une crise économique et que l'euro baisse de 10% en l'espace d'une semaine. Avec ses livres sterling, il va pouvoir racheter au bout d'une semaine des euros. S'il avait fait ça avec, mettons, 10 millions d'euros, il ramène à la fin, quand il rentre de nouveau dans la zone euro, il va avoir 11 millions. Donc il y a 1 million qui a été ainsi créé de façon artificielle et qui augmente l'ensemble de la monnaie en circulation et qui alors exerce une pression sur les prix. Et donc c'est en définitive le consommateur final qui va payer. Si je vous vends des petits pains et que vous me donnez de l'argent, j'ai vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres dans la société un avoir. Mais pour ce que j'ai fait, pas plus. Si par un moyen quelconque j'arrive à multiplier cet avoir sans avoir moi fait quelque chose pour les autres, dans une petite société, on va se rendre compte dans un petit groupe qui ne sera pas anonyme, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Quelqu'un va se réveiller et dire « mais c'est pas possible ». Tu m'as vendu 10 petits pains et maintenant tu arrives et tu me dis que je t'en dois comme si je t'en devais 20. On va comprendre, ça ne marche pas. Là, il y a un côté anonyme, grand, on ne pénètre plus avec notre conscience tous ces échanges. Mais au niveau d'un petit groupe, on comprendrait tout de suite, ça ne colle pas. Ce n'est pas juste. Parce que les 11 millions, enfin, le fait d'avoir ramené 1 million, c'est comme si ça crée une inflation. Ça crée en fait... Parce qu'il y a plus de monnaie pour le même échange de biens et de services. Oui. Du coup... Alors ça crée un déséquilibre. J'aime pas beaucoup le mot inflation parce qu'il est employé souvent, à mon avis, à tort. Parce qu'un processus inflationniste, c'est encore autre chose, quoi, hein. Mais ça va agir, on dit de façon inflationniste, mais en réalité, ça va créer un déséquilibre entre la quantité de monnaie qui est en circulation et le volume de l'économie. Parce que le volume de l'économie, lui, n'a pas changé, mais là où on avait 10 millions, on a maintenant 11 millions. Et il ne s'est rien passé d'autre qu'une opération spéculative. Donc on a plus une concordance. Or, toutes mes recherches m'ont montré que l'économie a besoin d'équilibre. Et cet équilibre, il correspond à, enfin, il apparaît lorsque la totalité de ce qui est produit dans une zone correspond à la possibilité monétaire dans cette zone. Et je dis possibilité monétaire en fait parce que pour moi, on devrait plutôt dire que la monnaie est au fond non pas une marchandise, mais un droit à consommer. C'est une convention, la monnaie, hein. On dit que ce billet-là, il vaut 50 euros, par exemple. C'est quelque chose qu'on a convenu. C'est donc du domaine, au fond, juridique. Et convention dit, ben voilà, avec ces 50 euros, tu peux acheter ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Donc, avec ça, ça veut dire vous avez le droit de consommer. Donc, on est forcément à l'intérieur d'un cercle de confiance, des gens qui se font confiance. Monsieur Z qui va recevoir le billet de Monsieur X de la part de Monsieur Y, si ça continue à tourner comme ça, eh bien, Monsieur Z, il faut qu'il connaisse Monsieur X et qu'il soit sûr que M. X va bien un jour rembourser ce qu'il doit. Donc, il y a le problème de la confiance. Et ce problème, finalement, quand ça prend une grande dimension, il est réglé par les États, par des règles
qui disent qu'on n'a pas le droit de ne pas honorer ses dettes. Et donc par la force hiérarchique de l'État qui va employer tous les moyens pour qu'on puisse propager cette confiance, même vis-à-vis de personnes qui ne se connaissent pas. Donc ça veut dire que la monnaie est un droit, en fait. Et non pas une marchandise, non pas un bien de l'économie. Ce n'est pas un bien de l'économie. Elle est un potentiel de réaliser un acte d'achat à partir de certaines règles. Donc c'est du domaine du droit. Et le jour où on reconnaîtrait socialement que la monnaie est un droit, alors on dirait, mais comment la faire sortir d'urgence de la sphère des marchandises où elle n'aurait jamais dû pénétrer? Ça veut dire que l'échange de monnaie devrait être vu sur des bases tout à fait différentes que celles que l'on connaît aujourd'hui et qui déséquilibre considérablement l'ensemble de l'économie. La monnaie n'est pas une chose du domaine de l'économie. C'est la première conclusion à laquelle on peut arriver. Il suffit de prononcer un mot pour qu'avec ce mot, tout homme pense aussitôt vie économique. Chacun à sa manière, bien entendu. Il suffit de prononcer le mot « argent ». La plupart des hommes savent ce qu'est l'argent. Vous me l'accorderez. Les uns parce qu'ils en ont beaucoup, les autres parce qu'ils en ont peu. Toujours est-il qu'ils croient savoir ce que c'est. Mais le rôle que joue l'argent dans le corps social, la nature exacte de l'argent, nos savants économistes d'aujourd'hui n'en ont pas la moindre idée. Pas plus que l'homme de la rue, dirais-je. Les uns sont d'avis que l'argent repose sur la valeur du métal, or ou argent, qui sert à le faire. Les autres sont d'avis que l'argent n'est autre qu'un repère qui varie selon l'estampille plus ou moins appuyée qu'appose l'État sur les marchandises. On parle d'un processus métaphysique de l'argent, que sais-je encore? Comme il en va de tout le reste. Car la science a toujours besoin de choisir des termes très savants. Mais tout cela est à côté de la question. En fait, les érudits les plus distingués sont aujourd'hui d'accord pour dire que, si l'argent doit être un moyen d'échange, il lui faut une contrepartie. Et cette contrepartie, selon eux, serait la réserve d'or à laquelle il faudrait toujours revenir pour que l'argent ait une valeur. Mais quand on considère la vie économique avec un esprit non prévenu et qu'on pose la question, quelle est au juste la vraie, la véritable contre-valeur de l'argent en circulation? La réponse que l'on reçoit, si bizarrement qu'elle sonne à l'oreille de l'homme d'aujourd'hui, est la suivante. Qu'il soit ici ou ailleurs, l'or n'est une valeur qu'en apparence. En vérité, la contrepartie de l'argent est la somme, à l'intérieur d'un territoire social, de tous les moyens de production, y compris la terre et le sol. Telle est la valeur de référence pour ce dont l'argent n'est que la manifestation. Comment apparaît cette monnaie? Alors vous avez aujourd'hui beaucoup de penseurs alternatifs de l'économie qui reprochent au fait que l'on puisse créer de la monnaie, qu'une banque privée puisse faire apparaître de la monnaie simplement par le prêt. Vous venez emprunter 10 000 pour acheter quelque chose, et puis par exemple une voiture d'occasion, et vous prenez 10 000. L'argent qui apparaît là n'est pas un argent qui existe déjà, ou seulement il existe partiellement, 10% peut-être existe, et puis le reste va être créé par la banque. Et alors, on dit souvent que c'est créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et je pense que ça, c'est une observation insuffisante des choses. Parce que cette monnaie est créée à partir de quelque chose. Elle est créée à partir d'une activité future. Du fait que vous allez
pouvoir, avec cette voiture par exemple, vous rendre à votre travail, vous allez pouvoir devenir créateur dans l'économie, et avec ce que va vous donner l'économie en retour, c'est-à-dire votre rémunération, vous allez pouvoir rembourser ce crédit. Et le banquier le sait très bien. C'est ce que j'appelle la monnaie orientée future, qui fait que du capital, on se détourne du capital accumulé dans le passé, et on se tourne maintenant, on dit ce capital-là, nous n'avons plus besoin, maintenant nous créons la monnaie en fonction des besoins réels de l'économie, et cette monnaie, elle est résolument orientée vers le futur, qui va lui-même amener ce qu'il faut pour rembourser cette monnaie, c'est-à-dire la détruire. Elle a été émise et ensuite elle va être détruite lors de remboursement, comme ça se fait d'ailleurs dans tous les prêts. Mais nous ne prenons plus cette béquille qui est soi-disant nécessaire pour le... Nous tirons la leçon de toute la crise de 2008 et qui a suivi avec les dettes, etc., pour dire cette chose n'est plus une nécessité et nous nous tournons maintenant vers ce qui réellement est amené par le futur. Et alors, à partir de ce moment-là, quand l'entreprise qui a emprunté pour démarrer son activité, elle a pu rembourser ce prêt, elle est autonome et elle va elle-même faire apparaître des droits à consommer qui vont servir pour rémunérer les employés. Et si l'entreprise fait grandir son activité, eh bien, la quantité de droits à consommer va augmenter en proportion. Ce qui veut dire que là, on a une création monétaire qui vient directement de l'activité des entreprises et qui est... plus que réel là, dans ce cas. Et donc on s'aperçoit qu'on a deux sources de création monétaire, l'un par ce que j'appelle la monnaie de financement qui est créée dans les conditions que je viens de décrire, et qui n'est absolument pas, je le souligne encore, une création virtuelle, mais une création bien réelle basée sur le futur. Et d'un autre côté, on a une autre création monétaire qui vient de l'accroissement de l'activité des entreprises par elles-mêmes. Et donc, ça montre alors une chose très très importante, c'est que dans tout cela, nous n'avons pas besoin d'une banque centrale. Parce que le rôle de la banque centrale est de régler la quantité de monnaie en circulation. C'est-à-dire, c'est une action qui vient de l'extérieur et qui n'est pas inhérente à l'économie. Or, ce que je viens de décrire, c'est cette création monétaire par deux biais qui résulte de l'économie elle-même. Si vous n'avez pas d'initiative avec des gens qui sont capables d'emprunter de l'argent parce qu'ils vont montrer qu'ils peuvent le rembourser, eh bien... il n'y a rien qui se produit. Et donc, s'il n'y a rien qui se produit, dire que les banques ont créé de l'argent, c'est un mensonge. Maintenant, quand les gens comprennent ça, après, ils disent « Ah oui, mais les banques, soi-disant créant de l'argent, on sait que l'argent rapporte de l'argent, donc les banques ont la capacité de créer de l'argent et après d'obtenir des intérêts sur l'argent qu'ils ont créé. » C'est un scandale. Donc si c'est ça qu'elles font, eh bien, ce n'est pas aux banques privées de le faire, c'est à l'État de le faire. Parce que lui, au moins, même s'il gagne de l'argent, il le gagnera au profit de la collectivité et non pas au profit des banques. Donc on aboutit à une demande que l'État reprenne ce qu'il a perdu à l'occasion de Maastricht. Et là, on est dans une situation qui va être inextricable.
parce qu'il n'y aura pas d'hétérogénéité, parce que le gouvernement a besoin d'argent et qu'il va finir par émettre de la monnaie uniquement parce qu'il a besoin de monnaie pour lui-même, sans aucune conséquence, sans aucune contrainte. Et je pense vraiment que ce n'est pas souhaitable. Je ne fais pas chorus avec tous les gens qui disent ça, bien que je pense que la question des intérêts que paye l'État pour sa dette est une question dramatique. Quand on pense que les intérêts de notre dette sont entièrement, couvrent entièrement l'impôt sur le revenu, on se pose des questions. À quoi sert d'avoir de l'impôt sur le revenu, sinon pour payer des rentes à des gens qui ont de l'argent et qui ont placé cet argent en bon d'État, en bon du Trésor. Donc, la question de l'intérêt est cruciale. La question de savoir si cet intérêt est manipulé d'une façon anormale, c'est une vraie question. La banque, quand elle prête 10 000 euros pour acheter par exemple une voiture, donc elle crée cet argent avec en fait promesse du futur. En quoi c'est justifié qu'il y ait un taux d'intérêt puisque cet argent-là ne vient pas de quelque part du passé. La question tombe d'elle-même. Il n'a plus d'intérêt sauf de rémunérer la banque. Voilà. De rémunérer le service de la banque. Oui, parce que ce qui est trompeur dans l'intérêt, c'est le taux. Le taux, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup. Si on paye, mettons, 5% d'intérêt, on se dit, bon, 5%, on calcule. Alors, si on emprunte une petite somme pour une année, on peut dire que ça passe dans les frais généraux. Si on fait un emprunt hypothécaire sur 30 ans, alors là on voit la réalité, parce que sur 30 ans, je ne veux pas rentrer dans les choses trop techniques, mais en réalité quand on emprunte en même temps, on rembourse au fur et à mesure le capital aussi, donc on rembourse de moins en moins sur le capital, et puis au total, alors ici vers la fin on rembourse très très peu, donc au total, c'est comme si on prenait à la moitié, et donc sur 30 ans, on va dire la moitié c'est 15 ans, et qu'on payait 15 fois 5% de la somme qu'on a empruntée. 15 fois 5%, ça fait 75%. Hein? 75%, ça veut dire qu'on a remboursé... à la fin, au bout de 30 ans, on a remboursé 175% de la somme empruntée. C'est considérable. Si vous achetez une maison, vous la payez, mettons, 200 000, ben vous avez payé au total 175, ça fait 350. Vous aurez payé 350. Donc presque une fois trois quarts la maison. Quoi. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on découvre cette chose étonnante, invraisemblable à la limite, mais réelle, qui est que l'argent rapporte de l'argent. Plus on a d'argent, plus on peut le mettre à des endroits qui... tout le monde considère ça comme normal, rapporte. L'argent fait des petits. Et cela a un effet sur le plan global qui est étonnant. Quand on le découvre, c'est une surprise. Qu'est-ce que c'est cette surprise? C'est le fait que ceux qui disposent d'argent ont la capacité de soutirer sur ceux qui ont besoin d'argent des sommes considérables qui reviennent dans très peu de mains. Il y a un processus quasiment mathématique qui fait que
L'argent aspire l'argent et se concentre dans très peu de mains. Alors, pour montrer la gravité du problème, il y a un économiste qui raconte cette petite histoire. Imaginez, c'est ce qu'on appelle le pfennig de Joseph. On va prendre le... Si, à l'époque de Jésus, le père de Jésus, Joseph, prend un pfennig et va le mettre dans une banque à un taux d'intérêt de 5%. Et il laisse là jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, supposons que le taux d'intérêt soit 5% et ce ne soit pas des intérêts composés. C'est-à-dire que l'intérêt, au bout d'une année, il va sur un compte qui ne porte pas d'intérêt, lui-même. Ben, c'est simple, au bout de 20 ans, 20 fois 5%, on retrouve 100%, c'est-à-dire on retrouve, après 20 années, on retrouve, si on prend un euro cent, on va retrouver un cent. Au bout de 2000 ans, on va trouver 200 fois un cent, on retrouve 200 cents, c'est-à-dire 2 euros, c'est absolument non significatif pour l'économie mondiale. D'accord? Tous les 20 ans, je retrouve un cent. Simple, hein? Ça s'appelle intérêt non composé. Maintenant, attention, intérêt sur intérêt, les intérêts sont composés, c'est-à-dire que ce que j'ai porté à la banque reste sur le compte qui porte des intérêts. Alors, la formule change un petit peu, le doublement se fait un peu plus vite, c'est au bout de 15 ans, en gros. Au bout de 15 ans, j'ai plus un cent, j'ai deux cents. Et maintenant, suivez le raisonnement, parce que c'est maintenant qu'on va faire la différence entre les intérêts composés et ceux qui n'étaient pas composés. Maintenant, si j'ajoute 15 ans, qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 cents qui vont doubler. Je vais trouver 4 cents. C'est ici qu'on fait une petite pause. Qu'est-ce qui a doublé? Ce n'est pas le capital que j'avais à l'origine de 1 cent, c'est maintenant le capital et les intérêts qui ont doublé. Je répète, le capital et les intérêts. Je passe à 4 cents en 30 ans. Si j'ajoute encore 15 ans, je vais passer à 8. Donc, je passe dans une formule exponentielle. Et alors, bon, exponentielle, on n'a pas dans l'instinct ce que ça veut dire, parce que ça n'existe pas, la croissance exponentielle dans la nature. Une croissance infinie qui double tous les 15 ans, comme dans cet exemple, ça n'existe pas. Il va toujours y avoir un moment où on arrive à un palier, où il y a un moment de décroissance. Ça, c'est la vie. Ça croît, ça meurt. Mais là, non. Mathématiquement, ça continue. Alors, on va essayer de se représenter ce que ça veut dire, cet euro cent qu'on a mis à la banque, que Joseph a mis à la banque en l'année 1. Qu'est-ce qui devient vers l'an 2000? Eh bien, après, très rapidement, enfin, il y a un professeur Bernsenf qui faisait calculer ça à ses élèves en fac, avec des machines à calcul, hein, il faisait leur calcul. Alors, il dit, alors, un cent, ça devient combien après 2000 ans? Et ils trouvaient tous des chiffres pas possibles. Ils disent « Non, mais ça doit être faux, j'ai dû me tromper. » Mais non, mais dites-moi ce que vous avez. » Et ils n'arrivaient pas. Tous les étudiants n'osaient pas lire le chiffre parce que les chiffres étaient astronomiques. Alors prenez-vous-même, vérifiez, prenez-vous-même Excel sheet, une machine à calculer, et faites le calcul. Vous prenez un cent que vous doublez tous les 15 ans et vous regardez qu'est-ce que ça donne au bout de 2000 ans. Vous allez avoir un chiffre avec un paquet de zéros. Si on fait le calcul exact, j'arrive pas à 100 fois la masse de la Terre en or, mais 100 milliards de terres or. Ça veut dire que la monnaie travaille pour elle-même. Ça veut dire qu'elle devient elle-même un soi-disant processus économique. Or, la monnaie ne produit pas de valeur. Elle mesure les valeurs, mais elle ne produit pas de valeur elle-même. Donc il y a une sorte d'imposture avec l'intérêt où la monnaie, c'est comme si elle était elle-même une valeur, comme si l'intérêt était une valeur ajoutée. Mais en réalité, on a une valeur qui est retranchée à l'ensemble de la sphère économique et c'est celle-là qu'il faudrait calculer. Et là, maintenant, je viens sur cette question très, très importante. Qu'est-ce que c'est que de toucher de l'argent pour
avec du fait qu'on a prêté de l'argent, touché des intérêts, et que cet intérêt devienne une disponibilité pour moi, eh bien, il faut bien qu'il ait été gagné, cet argent, par une richesse produite. Et donc, l'argent que je gagne en ayant mis de l'argent de côté sous forme de placement, c'est en fait faire travailler les autres pour moi. C'est ça que ça signifie. C'est ça qui va se produire, faire travailler les autres pour moi. Et si on n'a pas conscience de ça, alors on dit que simplement l'argent travaille. Et moi, j'ai tout d'un coup pris conscience de quelque chose que j'aurais presque fait pour mes petits-enfants, à un moment donné. J'ai pris conscience du fait que c'était un véritable scandale que, au moment de la naissance d'un enfant, lui ouvrir un compte sur livret, mettre de l'argent dedans, pour que cet argent travaille, entre guillemets, pendant tout le temps de leur adolescence, pour qu'à 20 ans, ils puissent payer leurs études ou quelque chose, payer quelque chose. Je trouvais ça, c'est merveilleux, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, je l'aurais presque fait. Et aujourd'hui, je me dis, c'est donner à cet enfant de l'argent qui, si ça rapporte vraiment, hein, parce que des fois, avec l'inflation, c'est pas grand-chose, hein. Si c'est un compte sur livret à 1% et que l'inflation est à 2%, c'est juste de l'argent qu'on n'a pas dépensé, qu'on aurait dû dépenser. Mais si vraiment c'est ça, que ça rapporte de l'argent, parce que les taux d'intérêt sont assez élevés, eh bien finalement, c'est offrir à cet enfant le travail de plein de gens sans aucun droit justifié. C'est le placer dans une espèce d'avantage qui est immoral. Et c'est totalement banal. Tout le monde trouve ça normal. Il y a un pont à faire avec Hannah Arendt. Tout à fait, oui. Oui, parce que ce qui a choqué Hannah Arendt, c'est que ce que faisait Adolf Eichmann, c'était pour lui normal. Il était dans un contexte où ce qu'il faisait, c'était d'exterminer des juifs. Mais comme les juifs n'étaient pas des êtres humains en toute valeur, ce n'étaient pas des ariens, eh bien, dans ce système de valeurs-là, il était absolument banal de faire ce qu'il faisait. Il aurait géré un abattoir de poulets ou géré la solution finale, c'est la même chose. C'est normal. Et aujourd'hui, on a comme ça des choses normales, et je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce qui est normal aujourd'hui et qu'un jour on trouvera comme complètement anormal? Un certain nombre d'hommes doit travailler un certain nombre d'heures afin que je puisse vivre au sein de la structure sociale. Il ne s'agit pas de se flatter en se disant « j'aime le genre humain ». On n'aime pas le genre humain lorsqu'on croit vivre de son argent et qu'on n'a pas la moindre idée de la manière dont les hommes travaillent pour nous, pour qu'on ait au moins le minimum vital. Mais cette idée, tel nombre de gens travaillent afin que nous ayons le minimum vital, est inséparable de la suivante. Nous devons en revanche rendre à la société, non pas avec de l'argent, mais de nouveau par du travail ce qui a été produit pour nous. Lorsque nous sentons l'obligation de travailler, sous quelque forme que ce soit, en compensation du travail d'autrui dont nous bénéficions, alors seulement nous avons de l'intérêt pour nos semblables. Se sentir redevable envers la société dans laquelle on vit, c'est le début de cet intérêt qui est nécessaire pour une forme saine de la société. Mettez-vous ne serait-ce qu'une fois en face de la fonction globale de l'argent. Elle consiste simplement en ceci, qu'en échange de ce que je produis,
j'ai en contrepartie autre chose que quelqu'un d'autre produit. Et dès l'instant où l'argent devient autre chose que cette contrepartie, il n'a plus sa place légitime dans le corps social. Je pourrais entrer dans de longues explications à l'appui de mes dires, mais je me contenterai de quelques mots. C'est cela que doit devenir l'argent. Et il le deviendra quand prendront fin toutes les manigances superflues qui se glissent dans la circulation de l'argent. Car l'argent n'est autre que l'indice commun qui sert à comparer de concert la valeur d'une marchandise par rapport à une autre.